Salut à tous et à toutes et bienvenue donc dans ce premier épisode de ma première série. Donc cette série sera dédiée à l'upgrade. En fait, je vais faire plein d'achats pour la GoPro. Donc vous montrer un peu qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je peux vous conseiller. Donc là, c'est deux petits trucs importants. Enfin, ça, moi, bon, ça c'est obligatoire. Puisque la carte SD n'est pas fournie avec la GoPro. Donc oui. Au passage, j'ai dit une marque, enfin, j'ai dit quelques marques dans la vidéo de la présentation de la GoPro. Ça se reproduira plus, désolé, je suis nouveau. On m'a dit qu'il fallait pas le faire, donc voilà. Donc, je commence juste par la carte SD. Donc, tu veux bien faire autofocus? Voilà, donc bah, elle est un peu douillée. Donc, je l'ai payé 23 euros au lieu de 100 et quelques sur. C'est 10. Voilà, j'ai pas dit la marque. Donc, je crois que c'est Panasonic. Je sais pas la marque. Pour mentir. Donc, je l'ai acheté parce que je peux que vous conseiller une carte SD classe 10. Attendez. Voilà. Je vous la montrais. Elle est petite, donc je suis obligée de venir près et pas faire l'autofocus. Fais autofocus. Allez. Ok, fais l'autofocus sur mon doigt, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, je l'ai acheté parce que c'est une classe 10. Et si c'est pas une classe 10, laissez tomber, elle voudra pas. Donc, ça marche à partir de la classe 4, mais prenez une classe 10. Surtout que la GoPro Hero filme en 1080p. J'ai fait le calcul avec elle qui est en 32 Go. Si je filme en 1080p, j'ai 5 heures de vidéo. Déjà pas mal, mais bon. Voilà. Ça va être dur quand même. Donc, sur tes grosses parties d'Airsoft. Tiens. Ouais. Donc, il y a marqué 32 bits, comme vous pouvez le voir. Donc, 32 Go. Ensuite, attendez, parce qu'il y a mon téléphone qui me cache. Donc, il y a marqué 32 mégabits seconde. Donc, je vais pas vous mentir, pour une carte SD, je sais pas si c'est bien ou quoi. Mais on m'a dit que c'était pas mal. Donc ça va. Et donc c'est une carte fait exprès donc pour filmer en full HD. Donc faites attention, apparemment c'est pas tout. Donc voilà, 23 euros sur CD. Je pense que vous aurez compris quel truc c'est. Donc ça mon plan. Donc elle était en promo. Je sais pas son prix, 100 euros, mais j'ai un peu du mal à y croire. Ensuite le deuxième truc c'est ça. Donc une clé. Ouais, c'est une. C'est pas une clé USB. C'est une clé USB SD. Je sais pas si j'achète comme ça, mais en fait, vu que moi j'ai pas de clé USB, je veux faire d'une pierre deux coups. Et en fait, vous insérez votre SD comme ça, et vous pouvez après l'utiliser comme une USB. Donc, j'ai trouvé ça. Donc, je l'ai acheté 2 euros. Même pas, je crois, je sais plus. Je sais même pas si on me l'a donné avec un appareil photo ou quoi. Je m'en rappelle plus, je vais pas vous mentir, je crois que j'ai payé 2 euros. Mais c'est sûr que c'est trouvable dans les deux, 1 ou 2 euros. Donc ça, c'est aussi un bon plan. Donc voilà, c'était la première. Fais autofocus? Non, je vais pas. Donc ma première vidéo sur cette série. Donc j'aurai d'autres séries et normalement bientôt j'aurai encore les accessoires pour la GoPro. Moi en attendant je vous dis ciao et à la prochaine.